Bonjour les gens, c'est Mister Noz et on se retrouve une nouvelle fois pour un petit jeu. Alors un horror game soi-disant, mais c'est un horror game que j'ai trouvé sur Desura, donc ça va aller, ça devrait pas faire trop flipper. C'est pas du Cry of Fear. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en a certains qui voulaient que je fasse un let's play sur Cry of Fear. Bande d'enfoirés, oui, vous êtes méchants avec moi, j'aime pas ces jeux-là. Alors, peut-être que vous allez avoir cette vidéo avec des grosses barres noires sur les côtés. J'ai essayé de mettre la bonne résolution, mais bon, c'est un jeu fenêtré Windows normalement. Bon, c'est pas toujours les meilleures vidéos, le meilleur format. Il y a peut-être une astuce, mais je l'ai pas trouvé. J'ai pas appuyé sur F11. Là, je joue en plein écran moi, mais c'est pas dit qu'à l'enregistrement ça passe. Donc, bah, je verrai ça une fois la vidéo enregistrée. Ça me donne bien envie de faire un petit troll, ça, gentil, mignon, coquin, quoi, hein, si on est un petit peu... Allez, on va lancer la partie. Alors ouais, alors sinon, la cinématique, elle est dégueulasse, donc toi, tu dégages. Et ça me rappelle quelqu'un, ça. J'ai envie de faire des blagues. je vais être mauvaise langue. Bonjour, je suis Mister Noz. Je suis vidéaste, mais pas un vidéaste comme les autres, car je chasse les feufoulés, les loups-garous et les vampires. À chaque fois que je trouve un vieux... une chaussette. Non, une lampe torche. Ah bah ça y est, il la ramasse directement. Alors avec mon matériel high-tech, donc ma lampe torche et mes piles, on va essayer d'entrer en contact avec des entités. Je suis obligé. Regardez, oh, ça me paraît bizarre. Ouais, en fait, ouais, en gros, le but du jeu, c'est de lire, quoi. Il est en anglais, je vais faire comme si ça servait à rien. Je continue de me balader, comme ça. Oh, regardez, alors qu'une lampe torche vient de me tomber sur le coin de la gueule, j'aperçois ici, dans l'étagère, comme par hasard, des piles pour ma lampe torche. Serait-ce un signe? Je ne sais pas, mais je sens comme une présence. Il y a une chaise, quelqu'un a dû s'asseoir dessus. Il y a très très longtemps. Je vois un tiroir, quelqu'un a dû l'ouvrir. Et un lit, quelqu'un a dû dormir dedans. Que de questions qui se soulèvent. Je vais continuer ma progression. On voit que dehors c'est tout à fait lugubre. Comme s'il faisait nuit au milieu de la nuit, car il fait nuit. Et je vais avancer, je vais progresser. Je sens qu'il fait plus froid là. La lumière qui passe, alors qu'il fait nuit dehors, ça doit être sans doute la lumière de la lune. Là-bas, il y a une activité, un feu. Sans doute le diable. ou un feu de joie, ou un barbecue. Je progresse doucement. Oh! Il s'est passé quelque chose, mais ça fait flipper, regarde-moi ça. Ah, il y a une grosse créature dégueulasse à l'extérieur. Ou alors, ne serait-ce que mon imagination. On dirait qu'il danse la gigue. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? À gauche, à droite, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à droite. Est-ce qu'il va me sauter sur la gueule? Est-ce qu'il va me sauter sur la gueule? T'as vraiment une sale tronche? Il commence à me faire flipper ce con. Attends, tu vas pas venir. Attends, et si je bouge la lampe torche, t'es toujours là? T'es toujours là? Ah, mais ouais, il est là. Oh la vache, il m'a fait flipper quand même. On m'apprendra à être mauvaise langue, ça. Alors, je continue ma progression. Je continue. Une porte. Il me semblait qu'elle était ouverte. Mais maintenant, elle est fermée. Et si la porte est fermée, autant l'ouvrir. Et si je l'ouvre, peut-être se fermera-t-elle. Oh, ma lampe torche. Comme par hasard. On voit une silhouette. J'ai vu quelque chose. Je rentre chez ma mère. Oh putain, elle fait flipper. Sans doute m'a-t-elle fait du flan, ma mère. Là, un bureau. Une photo de mariage. Il y a dû y avoir un crime dans cette maison. Ma voiture, c'est une Toyota que j'ai achetée chez un concessionnaire. Mais je ne sais plus. Là, regardez, quand j'éclaire dans ce coin-là, ça n'éclaire pas, alors que quand j'éclaire dans ce coin-là, ça éclaire. Oh, j'ai une lampe torche dissidente. J'en suis sûr maintenant. Il y a comme un mot posé sur le rebord de la table de nuit, je vais le prendre.
Comment je retire ce que je viens de dire sur les jeux d'horreur des Zura? Ah tiens, ça m'apprendra. Je continue donc ma progression. J'entends des bruits au plafond. J'entends le plancher qui craque. J'entends des bruits dans ma baraque. Je vais progresser, je sens que je vais regretter encore. Tu fais le malin. Regardez un tableau avec un signe. Si je le fais bouger, il y a un signe. Est-ce qu'on essaye de me contacter? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous veux pas de mal. Est-ce que ça vous dit un apéro dimanche prochain, 19h? Attention, je regarde par-ci. Je regarde par-là. Je n'ai pas confiance. J'ai comme l'impression qu'il y aurait des fantômes. Oh, ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Ah, tu fais... Je suis moins le guignol déjà. Je vais progresser. Je vais progresser. Il y a quoi ça? C'est un coin noir. J'aime pas ça! Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai oublié ma radio pour entrer en contact avec les esprits. Et ma télévision pour entrer en contact avec les esprits. Et ma flûte en bois. Que ça marche bien avec les instruments de musique. Je vais me diriger par la fenêtre, voir s'il y a toujours ce cadavre dégueulasse qui m'observe et qui me passe au travers, heureusement. Toujours ma voiture, je peux pas aller chercher ma voiture, me casser d'ici. Une pendule. Une pendule qui indiquerait l'heure. Mais sans les chiffres autour. Oh, je sens que c'est bizarre. Ah, on peut avancer les aiguilles, on peut faire quelque chose. Ah, vas-y, bouge. Pas pratique ton système là de jeu. Allez vas-y, et on bouge, on peut faire quelque chose avec ça? Bouge, mais vas-y, achète-toi des doigts. Achète-toi des doigts, ok d'accord. Ça tourne, putain. En fait j'ai des moignons. J'ai oublié mes doigts. Bon on s'en fout. Sinon je vais pas le finir le jeu, hein. C'est juste pour montrer. Oh une boîte à musique, est-ce qu'on peut l'actionner? Non c'est une radio. Ah, une radio pour entrer en contact avec les entités. C'est ma ghost box. Ah, là, il y a un bouton, attends. Hop. Si tu pouvais balayer le flux électromagnétique. Oh, il a moitié la jarre. Un téléphone. Allô, au secours! Il y a des fantômes! Moi, je peux tout faire tomber. Ah, c'est super. Ah là là. Super sensible, la souris. Ah, j'ai décroché le téléphone. Là. Une page, en fait pour ramasser des pages hein, au fur et à mesure. Hein, le jeu c'est ça, ça vous raconte une histoire. Moi je vais pas la lire. Je vais m'approcher de la fenêtre. Peut-être un screamer va-t-il me sauter à la gueule? Non, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Et il fait noir. Oh, bah tiens, le revoilà encore ici. À l'attaque! Ah moi je suis rentré dedans toi, fantôme. Pour l'instant ça va, hein, tant qu'il fait que ça. Ah mais qu'est-ce que je fous dans, sur la banquette? Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, c'est bon, on a compris ta blague. Alors, je vais progresser par là. C'est de là que je viens. Un couloir. Un couloir étrange. Sombre. Donc étrange. Donc sombre. Donc lugubre. Voire ténébreux. Là-bas, une porte. Une porte. Une porte en bois. Hein, qu'on voit en bois avec des gonds. Là, quelque chose par terre. Je vais les ramasser. Sans doute des piles pour ma lampe torche. La porte est fermée à clé. C'est étrange. Encore une note. Une note de papier. Ça remplacera eh bien trois coquillages. C'est quoi la référence aux coquillages? La référence aux coquillages? Allez voir entre podcasts sur les coquillages. Non, sur Demolition Man. Vous allez voir. Entre podcasts, c'est une chaîne YouTube. Ils sont sympas. Là-bas. Je vous en parlerai mieux un autre jour. Oh. Si on va plus être dedans. J'ai ramassé du papier pour me torcher les fesses. Là, toujours ce téléphone. Bon, comment je sors? Je viens d'ici. Je viens de là. Ce n'est pas très rassurant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Knock knock knock, et toi tu uses knock.
Je sais pas si l'électricien a bien bossé. Oh, la confiture étalée sur les murs. Ça doit être de la confiture. Là, des piles Energizer. Et encore, une note pour progresser dans le niveau. La caisse, on peut pas l'ouvrir. Il y a quoi sur les étagères? Bien, sans doute une maison de pauvres. Voilà, je sens un truc qui va me faire flipper. J'ai la dalle. Qu'y aurait-il dans le frigo? Non, je vais pas faire une blague. Non, je vais pas la faire celle-là. La blague du frigo. Là, on voit des assiettes. Oh là là, l'appréhension. Et vas-y, achète-toi des doigts. Toujours avec mes moignons. Je fous le bordel dans la cuisine. Histoire de ne pas attirer l'attention. Hop, allez, vas-y, bouge. Allez, vas-y. Je fais que des bêtises quand t'es pas là. Là-bas, dans le lavabo. Quelqu'un a fait la vaisselle. Il y a des trucs, des ectoplasmes. Voilà, on va dire que c'est des ectoplasmes. Ou alors, c'est juste de la crasse et des champignons. Là, je vois une note. Je vois le four de l'enfer. Un poêle! C'est un poêle! Sans doute. Ah ouais, petite cafetière italienne, c'est bien pratique. Quand vous faites votre café là-dedans, c'est délicieux d'ailleurs. J'en avais une, j'en ai toujours une d'ailleurs, une cafetière italienne. Ça fait du café un peu liquoreux, mais c'est du vrai café. J'entends quelqu'un qui a cassé la vaisselle. Ah, c'est bizarre. Je progresse toujours. J'ai cru, je sens quand même comme une présence. Hein. Je suis pas bien, hein. Je suis oppressé. Hein. Oh! Oh! So, qui c'est qui a pété? Ça fait très poltergeist, ouais. Je te prends le bloc-notes, s'il te plaît. Ouais, ça. J'ai cru entendre quelque chose. C'est très distinct. Il a dit Mister Nose. J'adore tes vidéos. Ouais, vas-y, gueule. Hop. Ouais, c'est quand même moins flippant que Cry of Fear, mais moi, il me faut pas grand chose non plus, quoi. Alors, d'ailleurs, j'ai mis une limite d'âge hein, sur Cry of Fear, donc faut pas vous étonner si on vous demande votre âge au moment de regarder la vidéo. Pas celle-ci, je pense que celle-ci elle passe. Alors, oh, j'ai envie de faire caca. Est-ce que je peux faire caca? J'ai appuyé sur un bouton là, je peux plus faire caca? Là peut-être, la chasse d'eau. Bon, d'accord, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Oh, la baignoire, oh. Encore une page. Oh, ça sent extrêmement. Y'a quoi? De toute façon, je sens qu'il va y avoir que ça en fait. Des trucs pour te faire sursauter. Vas-y, elle est où ta blague? Au niveau des chiottes. Oh, y'a rien. Y'a rien. Oh, le miroir, comment je le sens mal le miroir? Non, c'est bon. Ok. Là, une fenêtre. Le jour ne se lève-t-il donc jamais ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a pas quelqu'un. Je sais même plus d'où je viens. Alors là, oh, la cuisine. Ouais, on y a été. Ici, c'était le bordel. Donc, un peu le bordel chez toi, fantôme. Hein. On va continuer à progresser. J'adore le tableau, par contre. Est-ce qu'il fait une référence à une œuvre connue? Ce serait bien possible. Oh, là-bas, regardez, il y a un château. Sans doute était-il hanté, puisque c'est un château. Il est dans la campagne, en plus. Donc les châteaux sont hantés puisque c'est des châteaux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On est déjà venu ici. Bon ok, par où? D'où je viens moi? D'où je viens? Je viens de là. À faire demi-tour, on va passer par un autre chemin. Il y a sans doute des histoires lugubres. Un cimetière. Cette maison a peut-être été construite sur un cimetière, un vieux cimetière indien. Sans doute, si les rumeurs le disent, c'est que ça doit être vrai. Alors. Je continue de progresser. J'ai ramassé toutes mes feuilles de papier. J'ai de quoi aller me torcher. Et je continue à progresser. Tu aimes la poésie, fantôme? On pourrait écrire un truc ensemble. Un bouquin sur ta vie. Oh là là, il fait toujours tout noir. Destroy Forest. Serait-ce un message? Je ne sais pas. Attends, il y a 4 pièces dans ta baraque là? J'ai pas pris une clé. Ah ouais, il y avait une porte qui était fermée aussi. Il y avait une porte qui était fermée. On va faire une vidéo d'une demi-heure où je tourne en rond, d'accord? Mais je peux pas continuer. Y a rien là? Sérieux, y a rien? Fantôme!
J'aurais besoin d'un guide. Le jour il se lève ou pas? Bah non, le jour se lève pas dans ces jeux-là. Alors, fantôme, est-ce que tu pourrais me guider? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que t'es tout seul? Est-ce que tu veux faire un Scrabble? Ou une belote? Ou, je sais pas, un Yams, quelque chose dans ce genre-là? Ça te dit pas qu'on fasse un jeu? Il y a le dernier GTA V qui est sorti, t'as pas une console? On we kill you. Ok, Grand Mother. Ah ouais, peut-être un message. On te tuera, grand-mère. Ok, ou grand-père. Non, grand-mère, c'est grand-mère. Ok, c'est sympa ça. En général, les papis, les mamies, faut leur faire des bisous. Hein. Voilà, je sais plus dans quelle direction je vais. Alors, voilà cette porte-là. Elle est toujours fermée? Bah non, elle est ouverte. J'y suis allé. Bah oui, ça c'est la baignoire, la salle de bain. Faudrait faire l'état des lieux quand même, hein, parce que là t'abuses. Moi j'achète pas un truc comme ça, quoi qu'il y a pas beaucoup de meubles, on peut s'installer très rapidement. Ok, on a le frigo. Là il y a un truc que j'ai pas dû faire hein, avec le poêle. La cafetière elle est là. Ah, il y a peut-être des morceaux de cadavre là-dedans. Ah non, même pas. En tout cas il y a du sang, enfin de la confiture. Hop là, ici il y a pas grand-chose. Je sais même plus dans quelle direction je vais. Là, j'y suis allé, bah oui, et c'était les guéridons. Hop, 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 ah voilà. Bah non, ça, j'en viens. Oh, mais par où c'est qu'il faut aller? Bon, tu m'as fait peur 5 minutes là, c'est bien, mais bon, maintenant, on fait quoi? Parce que là, j'y suis déjà allé. Il y a un endroit où il y avait une porte fermée, hein. Moi je l'ai ouverte là entre temps. Ah, c'était peut-être par là. C'était peut-être par là. Alors, on se promène. Oui, c'était par là, la porte fermée. Un truc, il fallait regarder. Ça, c'est fait pour dehors, ça. Ok, il y a une pièce, il y a une chambre ici. Est-ce qu'on était dans cette chambre-là? Je suis pas sûr. Hein. Vas-y, ouvre la porte. Ah, vas-y, mais ouvre la porte. Oh, t'es pas drôle. Il y a quoi, nanani? Ah, il y a un pentagramme. Il y a un pentagramme. Ah ouais, ok, c'est ça les symboles. Ok. Bon, tiens. Ta femme qui est passée par là. on va pas rester 107 ans sur cette vidéo. C'était une petite vidéo à l'arrache, comme ça, pour voir. Certainement des secrets à débloquer, des énigmes. Des trucs à faire. Ah! Putain, j'étais tout tranquille. Ah! Bon, ben voilà, ça m'apprendra à dire du mal des jeux et de parodier. Tiens, comme ça, j'ai bien flippé. Oh là là, quoi, il m'en faut pas beaucoup. Donc, bah les amis, moi, je vous invite à le télécharger. Vous le trouvez, c'est un jeu gratuit. Hein. Forcément, c'est un jeu gratuit que vous trouvez sur Desura. Alors, son nom, c'est Colina. Je remarquerai ça, de toute façon, dans le titre. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis bah sur ce je vous laisse et je vous laisse essayer. Pouh, je suis tout bouleversifié de la dernière entité. Je vous laisse rigoler avec et puis le découvrir par vous-même. En attendant, je vous fais des bisous. C'était Mister Nose. Allez, ciao ciao. Bye.